Hello les petits chats, hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo MSP qui m'a été pas mal demandée. C'est vrai que vous êtes très nombreux et nombreuses surtout à m'envoyer des cadeaux sur MSP que je ne prends pas le temps d'ouvrir parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et je me suis dit qu'aujourd'hui on allait faire un petit jeu, c'est que j'allais ouvrir tous les paquets qui étaient noirs. Voilà, je me suis dit pourquoi pas un petit code couleur. Ça peut être sympa, ça va être branché. En plus en ce moment j'ai une movie qui est entièrement noire, qui a un petit côté un peu gothique dark. Si vous avez vu ma photo Instagram, vous verrez que j'ai exactement la même jupe que ma movie star, donc ça c'est assez fun. Et c'est parti pour ouvrir les cadeaux. Alors je vais aller, je sais même plus où c'est, si c'est ça, dans mon profil, ouvrir les cadeaux et nous allons rechercher les cadeaux de couleur noire. J'espère qu'il y en a parce que si je m'avance, alors surprise. Un petit top noir qui passe partout. Merci beaucoup du coup, hein, merci d'être aussi nombreuses à m'envoyer des petits cadeaux, c'est beaucoup trop mignon. Oh une lampe, je ne m'attendais pas. Comme quoi noir ça veut rien dire. Hein. Une petite robe noire. Des chaussures compensées noires. Le petit top noir que j'ai acheté, très mignon. On a les mêmes goûts, celui-là je ne l'ai pas donc ça tombe bien. Ceux que j'ai en double de toute façon, soit je les rééchange, soit je les renvoie. Oh, ça j'adore cet ensemble, les petites mains squelettes comme ça, c'est trop sympa. Trop sympa. Le pantalon noir un peu pailleté. Ah, joli aussi la vintage, la petite robe vintage très jolie de Chacha. La couleur blonde, vous avez bien retenu que généralement je ne mettais que des cheveux blonds. C'est quand même assez rare que je me mette en brune. Même quand je suis en dark, j'arrive à garder du blanc. Je trouve ça quand même plus sympa. Oh là là, elle est trop belle cette robe aussi. Vous avez bon goût, hein. Là, Kaylou, tu m'as gâtée. Hein. Plein de cadeaux. Laura aussi, merci. Des petites fleurs pour mettre dans les cheveux, super cute. Je pense qu'on va changer après. Des petites chaussures noires. Des petites oreilles de renard. Des rubans, c'est beaucoup trop mignon. Bon allez, j'ouvre tout ça et je vous laisse regarder en musique. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour ces petits cadeaux noirs qui sont vraiment super sympas. Moi, je vais aller dans mon profil. Non, même pas dans mon profil en fait.
On va aller dans création et je vais aller tester la petite robe squelette sur laquelle j'ai vraiment flashé tout à l'heure. Je la trouve vraiment adorable. Donc j'espère qu'elle n'est pas partie trop loin, cette petite robe. Il y avait la longue qui était jolie, mais c'est vrai que celle-là était vraiment magnifique. J'ai eu un petit coup de cœur, j'avoue. J'espère que je vais la trouver. Elle était là. Cette petite robe vraiment super mimi. J'ai enlevé ce qu'il y a en dessous, voilà. Vraiment très très cute. Bon, les ailes, je vais pas forcément laisser, c'était pour tester tout à l'heure. Mais là, j'avoue que j'aime bien. Donc, je vais porter cette petite robe. Et encore merci du coup à l'abonné qui me l'a offert. Vous avez vraiment été super au niveau des looks noirs, j'adore. En tout cas, j'espère que ce petit unboxing vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à me dire de quelle couleur vous avez envie que j'ouvre les prochains cadeaux. Mettez-moi ça dans les commentaires, comme ça de temps en temps je ferai un petit unboxing entre les relookings. D'énormes bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!